C'est par une marche à travers la ville de Sé, dans la commune de Huyogbe, que les femmes actives dans les groupements et coopérations agricoles de Komé et Huyogbe ont annoncé les couleurs de la célébration de la 11e édition de la Journée internationale de la femme rurale ce mardi 24 octobre. Une initiative de BUPDOS ONG, organisation non gouvernementale apolitique à but non lucratif, créée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin pour accompagner et promouvoir les actions de développement au sein des communautés pauvres et vulnérables afin de leur assurer un développement intégral. Sa présence aux côtés des femmes du Mono date de plusieurs années et témoigne de l'intérêt que porte l'organisation à l'autonomisation de la gente féminine. BUPDOS ONG œuvre au bien-être des femmes du Mono depuis avril 1999 à ce jour, à travers plusieurs initiatives de développement en lien avec la santé communautaire, la nutrition et le développement de la petite enfance, la promotion des activités génératrices de revenus, l'autonomisation économique des femmes et le renforcement de leur leadership, pour ne citer que celle-là. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale, dont nous sommes à la 11e édition, est une preuve éloquente de l'attachement de BUPDOS à la condition de la femme et en particulier la femme rurale. Une ressource indispensable pour le développement de la nation béninoise. Elle en est simplement le principal levier, quoique bien souvent plus vulnérable en ce qui concerne la jouissance de ses droits. La célébration de cette 11e édition de la JIFR est une occasion pour BUPDOS ONG de reconnaître une fois encore par la voix de sa coordonnatrice nationale le travail et l'effort de ses héroïnes dans le système alimentaire nutritionnel et dans l'amélioration de l'économie nationale. C'est le lieu de saluer toutes ces braves femmes qui transcendent les barrières socio-culturelles et s'investissent pour le développement de leur localité. En l'occurrence, celle de Komé et Huyogbe, que je vous prie de féliciter à travers une pluie d'ovations, s'il vous plaît. Reconnaissant les efforts soutenus par le gouvernement béninois et les autorités du département du Mono, notre institution BUPDOS ONG réitère son engagement à davantage militer aux côtés des autorités politico-administratives et des organisations sœurs de la société civile pour promouvoir la femme rurale et plus spécifiquement sa participation aux affaires publiques. Le représentant de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin a quant à lui saisi l'occasion pour rappeler aux femmes en général et celles des zones rurales en particulier le rôle qui est le sien et la place qu'elles occupent au sein de toute la création divine. Ce qui a manqué à la création après que Dieu a tout créé, c'est la femme. Et quand Dieu l'a créée, il a cessé de créer. Est-ce qu'on peut ovationner pour la femme? Je m'en vais nous dire ce matin que le lion que vous avez tué, ne laissez plus la tête de ce lion dans les mains des hommes. Revenez avec le lion et sa tête à la maison. Sinon, les hommes vont se targuer encore le luxe et l'orgueil que ce sont eux qui ont tué le lion. Chères mesdames, c'est le moment pour moi encore de vous réitérer toute notre gratitude en tant que leader ecclésiastique pour tout ce que vous faites pour la nation. Le Seigneur va vous élever encore davantage. Pour joindre l'utile à l'agréable, BUPDOS ONG a fait suivre aux femmes ce jour une communication sur les aptitudes et attitudes à adopter pour se mettre davantage en valeur au sein de leur communauté. Une initiative louée et appréciée des autorités et invités de marque. Oui, c'est une joie pour moi parce que vraiment, on apprend beaucoup de choses avec BUPDOS et nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Ils sont vraiment inspirés parce que leur vie a changé, j'ai vu, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Et moi-même, quand ils ont dit ça, ils ont posé une question qui m'a inspiré. Est-ce que nous-mêmes, on a prévu des choses pour les accompagner? J'ai dit oui, on a mis dans les budgets.
et qu'on va les accompagner aussi avec Bidos. Moi, ma joie serait comblée quand je vais voir ces femmes appliquer le contenu de l'enseignement qu'elles ont reçu. Parce que ça a été clair. Celui ou celle qui attend qu'on lui apporte toujours sera toujours en arrière. Il faut que les femmes se lèvent. Il faut qu'elles s'engagent vraiment à se prendre en charge et à faire face à la vie. La communicatrice disait que ce n'est pas le divorce qui est la solution. Non, les situations peuvent arriver. D'ailleurs, ça arrive partout. Donc, je les encourage une fois encore de pouvoir prendre au sérieux tout ce qu'elles ont reçu comme enseignement. La célébration de cette édition de la Journée internationale de la femme rurale à Sey s'est achevée par une visite guidée des produits et articles mis en vente par les femmes actives du Mono soutenues par Bupdos ONG. Une mini-foire qui a permis d'exposer une partie du plein potentiel dont elles disposent. Thank you.